Je m'appelle Sandrine Francillon, je suis actuellement chef de projet tierce maintenance applicative au sein de la division télécom et médias de Sopra Group. Je viens de finaliser un projet de refonte d'un site de vente d'abonnement et je travaille actuellement sur sa maintenance. Le projet a été mis en place et est actuellement en production depuis septembre de l'année dernière. Et depuis ce mois-ci, on est en tierce maintenance applicative. Donc on se charge avec notre équipe de corriger les anomalies et les petites évolutions. Donc le projet consistait à rénover le site de vente de ces abonnements pour tout d'abord refaire tout le design et surtout rendre l'application beaucoup plus paramétrable aux clients pour qu'ils puissent intervenir plus facilement dès qu'il y a une offre promotionnelle ou un nouveau besoin sur le site. Quand je suis arrivée sur ce projet, j'ai dû remplacer l'expert fonctionnel qui était à ce poste lors de mon arrivée. Donc j'ai dû rapidement monter en compétence sur l'application, prendre en charge toute la partie qualification de l'application, c'est-à-dire vérifier que l'application qu'on allait développer et qu'on allait livrer aux clients était conforme aux besoins. Actuellement, on est en train de réfléchir à deux nouveaux besoins pour le client. Un qui va consister à améliorer toute la partie paramétrage de l'application et un autre qui va consister à voir comment modifier l'application pour qu'elle soit plus interactive, plus facilement accessible sur les services mobiles comme l'iPhone ou l'iPad. Je suis sortie de Télécom Sud Paris en 2006. Je suis rentrée en tant que développeuse et puis j'ai progressivement grimpé entre guillemets dans le projet où j'ai pris des responsabilités. Je suis devenue responsable de développement, puis chef de projet adjoint et chef de projet de ce projet. On va rechercher des gens qui aient une formation initiale en tant qu'ingénieur, mais également universitaire au travers des Master 2. Mais on a également tout un dispositif de formation interne et de mise en situation. J'attends du chef de projet qu'il soit communicant, qu'il ait un bon relationnel, aussi bien à l'intérieur de sa propre équipe, avec laquelle il va devoir faire preuve de leadership, mais également auprès du client. C'est un poste qui permet d'évoluer vers des responsabilités de direction de projet et après de management d'entité un peu plus large. Ce qui me plaît dans mon métier actuellement, c'est cette polyvalence, avoir toujours une vue sur l'aspect technique et également savoir à quoi sert mon projet, pas juste voir le développement en tant que tel, mais voir également la finalité du projet, quel est l'intérêt pour le client et comment va être utilisée l'application. Ce qui est intéressant en tant que chef de projet confirmé, c'est qu'on participe à l'offre commerciale, donc c'est nous qui allons vendre le projet au client et après c'est nous qui allons mettre en place toute l'organisation, quelle équipe on met en place, quel est le planning qu'on va mettre en place, toutes les petites étapes qui font qu'un projet va arriver à son terme et va fonctionner.